On roule pour BFM. Vas-y. Ah, c'est parti, hein, direct. C'est parti, direct. Toujours sur la tribune. Donc, alors là, qu'est-ce qui se passe? Non, t'énerve pas. Là, on est en train. Excusez-moi, messieurs, s'il vous plaît, messieurs, un peu. Le renfort d'Amiel est arrivé. Sur le côté, s'il vous plaît, messieurs. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on part de France 2 et on va direction. Ça, c'est le petit cadeau. Ça, c'est le petit cadeau à France 2. Dédicace. Et donc on va à BFM. On va à BFM TV. Partagez au maximum. Partagez au maximum, même si vous êtes de Colmar. Ah putain, la pluie, c'est relou. Ouais, t'as raison. Merci. Tu peux tenir 2 secondes. Merci. Allez, en avant. Pour BFM à l'abordage. C'est parti. Il a pas de pile, son mégaphone. Macron, allez, million. Macron, allez, million. Pas taper s'il vous plaît. Ah, celui-là il fait peur. Allez, pense à partager. Pas taper s'il vous plaît. Pas taper. On est là vite fait. Alors petit quiz, qui est le patron de BFM? Petit quiz entre pirates, quel est le patron de BFM? Quel est son nom et son prénom? Allez, je veux un maximum de réponses. Celui qui se trompe, on sera la planche pour lui. Ah, les gens, ils nous demandent d'envahir le plateau. On envahit le plateau, quoi. Protéger de la pluie. Ouais. Ouais. Les gens ils me disent Manuel, c'est le président de BFM. Ah oui, c'est... Ouais, je vois qu'il y en a plein qui ont dit Patrick Drahi. Bonne réponse les amis. Et quelle est la société, le nom de la société de Patrick Drahi? Allez, deuxième quiz. Faut que je fasse gaffe, j'ai un genou cassé. Pardon, excuse-moi. C'est là où il y a le max de flics. Non, vous inquiétez pas, on va faire gaffe aux genoux. Ah ouais, bah là, ils vont voir pas mal de gilets jaunes arriver, ils vont être inquiets, je pense. Non, il a prévu son pote. Ah, il a prévu Patrick Drahi? Non, le CRS là-bas. Le CRS, il l'a dit. D'accord. Ils vont pas nous taper alors? Normalement, non. Vous êtes sûr, hein? Par contre, pour filmer, ouais, c'est par là, c'est pas par là. C'est-à-dire? Non, on va filmer par là parce que c'est le ministère des Armées. Ah, c'est le ministère des Armées, ok. Que BFM. C'est la maison mère, tu connais? Bon, ben on est accueillis, hein, comme prévu. Ouais. C'est ça aujourd'hui ce que c'est qu'un journaliste de BFM TV, ce sont des semeurs de troubles. Voilà, des spécialistes de la désinformation. Donc on est là. Bon ben visiblement BFM est bien protégé, hein. C'est BFM ici.
Ouais, structure impaire. Red Express, Libération, RMC Sport, BFM Business. L'Altis Campus. C'est le nom de l'entreprise de Patrick Drahi. Excusez-moi. La police avec nous. Visiblement, on est en train de négocier pour pouvoir être accueilli chez BFM. On va peut-être pouvoir discuter avec eux. Je propose de chanter une chanson à la police parce qu'ils sont gentils et qu'ils ont fait un effort. On leur chante la Marseillaise. Allez. Oh, visiblement, ils connaissent pas la Marseillaise. C'est pas un français. Allons au fond de la patrie. La batterie, je peux regarder s'il y a un truc. Ça va, ça va. Merci. Ah, visiblement, ouais, il... Ouais. Hein. Au revoir. Si on peut rentrer, je pense que toi, tu vas te faire... Je pense qu'ils ne, nous, ils ne m'oublieront pas. Aïe. Si je peux rentrer, ils ne m'oublieront pas. Qui dit ça tu Qui peut aller Qui peut On attend leur réponse. On va voir si on peut. Ils vont nous accueillir ou pas. Si on pourra y accéder. Référendum d'initiative citoyenne. Route à crier. Aïe. Allez maintenant, faut assumer. Allez là. Ça commence de là et c'est au fond jusqu'à là-bas. Ils ont des subventions ou pas? Lucien, ils ont des subventions ou pas? Oh bah, dernière nouvelle, oui. Libération, soit de l'argent. Une exonération d'impôts également prévue au programme. Macron, en prison. Le policier, il a dit que ils sont en train de négocier, c'est ça? Ils sont en train de négocier, savoir si on peut être reçu par, par BFM TV. Alors je sais pas. À mon avis, c'est plutôt RMC.
RMC. Donc voilà, que tous ceux qui croient que, parce qu'on nous a donné plein d'adresses différentes de BFM TV, c'est bien aux 2 avenues générales de Boissieux, entre le ministère des Armées et France Télé derrière. Attention, t'as pas le droit de filmer le... T'as pas le droit, mais nous on s'en fout. Pirate. C'est ici que ça se passe, les gens, la propagande. Oh, on est venu pour ça, ça fait la longtemps. Propagande, elle est là. On la connaît pas. Ah ouais, vous êtes pas... Vous êtes tous discrets, là. C'est bien, franchement bien. Vous pas sortir en train. Non, non, ils vont t'arrêter. BFM, go la mort. 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 Non, il y en a Opéra et il y en a sur les champs. Ouais. Opéra, il bloque tout. Hein. Moi, je suis tombé sur un boulevard Sébastopol. C'était un petit groupe, 1500 personnes et il y en a un peu partout à Paris, je pense. Bon, j'espère qu'ils vont nous recevoir surtout. Par contre, mon pote, je pense qu'il va pas être gentil. J'attends la réponse. On va être reçu, on va être reçu. Mettez-leur la pression sur internet, BFM, recevez les gilets jaunes. La police avec nous, 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 la police avec nous. Alors, ils sont où les bourdins et compagnie là? Où t'es crié? Ils sont où? Eric Brunet, il est où? Il dit laisse parler, il dit. Il engraine les gens, il engraine les gens. Je dis juste que c'est pas le pire. Je dis pas que c'est le top, mais je dis. BFM corrompu! 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 Vous êtes qui est avec nous? Non, je ne pense pas, non. Elle va avoir des problèmes si elle vient. Ça va être El Kriev avec nous. El Kriev avec nous. Avec nous. Contre nous. Peut-être, tu sais, je me prends à rêver des fois. Je me dis peut-être qu'elle peut se repentir ou avoir un éclat de lumière. Ou, tu vois. Tu l'as vu son débat avec Xavier Mathieu? Elle est trop bien avec ses 15 000 Xavier euros le héros. Combien? Xavier, ça non, non, il non, elle doit gagner largement plus. Plus, oh. Il gagne plus, plus que le président de la République. Facilement, ouais. J'ai envie de savoir. On peut leur demander. Hein. On arrive tout de suite. Vous gagnez combien? 100 euros de SMIC. Je vois qu'il y a des animateurs télé, des trucs un peu comiques. Ouais, ouais. Il y en a, ils vont à 30 000 euros par mois. Ah, minimum, facile. Ouais. Ah, souvent, ils sont producteurs reçus, ça leur fait encore plus d'argent. Ouais. Par contre, le patron de BFM, il doit rapporter vraiment des milliards. Milliardaire. Lui, il veut pas payer, on veut pas payer. Non, bah lui, non, bah lui, il fait partie de l'évasion fiscale. Hein. Il veut pas. Bon, ton avis sur Patrick Drahi, là, patron de BFM. Patrick Drahi est un des 9 oligarques qui dirigent les médias mainstream. Franco-israélien. 4 nationalités. Marocain, tu vois, marocain, portugais. Israélien. Portugais? Oui, oui, j'ai vérifié ça. Portugais, marocain, ah. Ils bouffent à tous les râteliers. Nous sommes pas Suisse. Des casseurs. Et il a renoncé à la nationalité française. Des casseurs. C'est pas mal. Nous sommes pas fiscalisé en Suisse, donc il ne paye pas ses impôts en France. Et je crois qu'ils ont gagné 13,4% de plus cette année, les Français qui ont mis leur thune en Suisse. Oui, bah Patrick Drahi en fait partie, ouais, c'est pas étonnant, un oligarque qu'on peut fiscaliser à l'étranger. Paradis fiscaux. Je crois que la France est le troisième pays au monde, il y a plus de millionnaires, je crois, apparemment. Apparemment.
Pardon. Pas les mêmes. J'avais posé la question. Pas les mêmes que tout à l'heure, hein. Pas les mêmes, excuse-moi. Mais non. Pas les mêmes. Lui, oui, mais lui, il y a été tout à l'heure, donc quelqu'un d'autre. On y va, moi je veux bien y aller. Une seule. Moi je veux bien y aller. Ici, il y a une personne en. Ah bah, me poussez pas parce qu'ils vont me. Non. Viens prendre la caméra, je me donne. C'est bon. On peut y aller ? Mais non. Ils ont demandé, pardon. Ils ont demandé 3. Pardon. J'ai compris. Attends, l'autre avec les lunettes, faut qu'il revienne. Toi, tu y vas. Non, mais c'est vrai qu'il est avec. Non, parce que lui, depuis tout à l'heure, il parle. Il domine depuis le début qu'il est arrivé, pour laisser les autres. C'est pas grave. On va voir si. On va voir déjà. Le même, c'est toujours le même qui parle. Ouais, on va voir. Exactement. Le gars là, il est à la place de l'autre. Le tueur qui parle. Deux militants qui sont en train de discuter avec BFM là. On va essayer de passer les suivants. Tu vas rentrer ? Si il me laisse, oui. Mais apparemment, il me laisse, oui. Non, pas grave, c'est pas grave. Toi qui l'as. Elle est morte, mais parle, là. Elle est morte, la batterie. Non, c'est l'autre. Pour parler, c'est l'autre côté. Mais il n'y a plus de pile. Un disquette. Hein ? Ça va jouer ton truc. Ça va jouer, non ? Normalement, non ? Ça va jouer. Vas-y, filme. Ce qu'on nous propose là actuellement, on est deux. Il nous propose de prendre deux numéros et de s'engager à nous rappeler. Et moi, sur le coup... Non, attendez. Ils ont dit, ils se sont engagés... Ils se sont engagés, en tout cas. Ils l'ont fait cette semaine. Oui. Moi, je ne mets pas la parole en doute. Moi, je la mets en doute, mais bon. Excusez-moi, la stratégie voudrait que... On pensait à mettre Sylvain Baron et Étienne Chouard. Voilà, c'est ça qu'on voulait. Vous voulez ou pas ? Oui. Attendez. On sait, ils nous donnent leur parole. On sait ce que ça vaut la parole chez BFM. Mais on en est là. On parle de la parole. Attends. Non, il marche plus. Chouard chez BFM. On ne peut pas Chouard. Il faut les changer. Si, bah rentrez. On va voir. On peut avoir la personne qui est avec nous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le but, c'est qu'on... Non, ça serait bien... Le but, c'est de ne pas se faire enfumer. Donc si ça se passe vraiment... Moi, je propose que... Oui. Ils nous disent que toutes leurs équipes sont sur le terrain. Ah, donc c'est... personne pour nous recevoir. Évidemment. Vous avez bien vu la taille de l'opo. Évidemment. Il y a du monde à l'intérieur. Évidemment. On doit jouer le jeu. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, fait un référendum d'initiative citoyenne. Qui c'est qui veut que Étienne Chouard et Sylvain Baron, ils aillent parler à BFM ? Levez la main. Attends, tu fais un référendum tout de suite, là, d'initiative citoyenne, pour savoir. On va abroger la parole de BFM et on va proposer une nouvelle législation. Voulez-vous qu'Étienne Chouard ou une personnalité issue de la dissidence, entre guillemets, aille à BFM, ou bien c'est quelqu'un d'entre nous qui sera rappelé, bien entendu, dans la semaine, c'est ça ? Étienne Chouard. Ils veulent pas venir. Ils nous ont dit, ils sont tous sur le terrain. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Pour les personnalités qui viennent. Vers le mois de janvier, parce que là, je vais partir en DP. T'inquiète, c'est juste ça fait plaisir déjà de se voir. Bien sûr. C'était quoi la question ? Avec plaisir. Pas de bêtises. Lui, c'est attends, il avait le micro. Lui, c'est d'accord.
Alors, le deuxième, l'autre photo. Ah, il est là-bas, juste pour lui dans la main. Donc, c'est bon, c'est déjà. C'est le seul qui est en 73. C'est eux qui parlent de ça, je crois. Ceux qui le connaissent, c'est le cœur du cœur du 73. Il est très médiatisé. On va appeler les très médiatisés sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui est prévu? Bon, apparemment, ça discute. Donc, pour vous résumer la situation, il y a un référendum qui est mis en place là tout de suite. Merci, mon pote. Arrête, bon courage. Donc il y a un référendum qui est mis en place pour savoir si... Attendez. Là, la personne, elle s'est engagée en tout cas à rappeler les personnes. Quelle garantie? C'est ça le problème en fait, c'est qu'il n'y a aucune garantie. Nous tous, écoutez, ça peut être nous tous, deux personnes évidemment, mais je veux dire, on choisit. Mais moi, vraiment, je vous en conjure, donnons la parole à Pasco, à Chouard ou éventuellement à Sylvain. Donc eux, ils sont là. Non, mais c'est une bonne idée, mais c'est juste quelle garantie t'as malheureusement qu'on te rappelle. C'est une bonne idée, c'est une bonne idée en soi. Une garantie écrite. Une garantie écrite. Parce que je le connais. En fait, c'est ça, écoute, c'est ça, Marco, c'est ça qu'il faut leur demander. Quelle garantie on a de revenir? Voilà. Mais viens, on peut filmer avec eux, comme ça. Ouais, excusez-moi, est-ce que je peux passer le suivre? Non. C'est pas grave, y'a pas de soucis. Pas de soucis. Quelqu'un contacte Sylvain Baron? Ouais, ça peut appeler un Sylvain. Elle est où Sylvain? Quelqu'un il sait où est Sylvain? Allez, il est là, c'est gauche qu'on fait, gars. Oui, j'ai vu, mais bon, il va pas parler avec nous. Je l'ai appelé, j'ai pas réussi à avoir au téléphone, j'ai laissé des SMS pour lui dire qu'on était ici. Il est peut-être devant France Télé. Mais non, j'ai laissé des SMS pour lui dire qu'on était ici. Alors après, quand il regarde ses SMS. Si, non, mais peut-être qu'il acceptera de rentrer. Pasco. Ouais, reste au-dessus de moi, s'il te plaît, parce que je prends la. Merci. N'hésitez pas à faire des lives, hein. Moi j'ai plus de batterie. Ah, on est dedans. Et on aurait bien aimé suivre les discussions qui se trament entre BFM et. Mais bon, apparemment. C'est le 5 grammes, c'est compliqué. Bah ouais, bah. Pourtant, je suis un mec bien. Les gilets jaunes qui sont triés. C'est pas n'importe quel. Et ben, d'où le problème de leur pseudo proposition. Parce que si c'était réaliste et voilà, pris en compte et tout ça, pourquoi pas, avec plaisir. Enfin, moi, bah oui, on ne croit pas trop dans la parole de BFM. Le Facebook de BFM, ils m'ont grillé. Je fais plus pipi sur BFM. Ah, bah voilà. Madame n'a plus de liberté d'expression sur le Facebook. Elle a été complètement coupée. BFM et LCI. Parce hein, que deux, vos propos étaient. Tout à fait correct, aucune insulte, aucune incitation à la haine, agressivité, quoi que ce soit, des arguments, c'est que bon des arguments. Mais le problème, c'est que vos arguments ont peut-être fait mouche, et n'ayant pas de réponse à vous donner, on vous a boycotté. En tout cas, je peux publier des commentaires sur les pages LCI et BFM. Bah écoutez, espérons que ça soit pas le cas pour tout le monde, c'est à chaque fois qu'on donne un argument. Alors monsieur, peut-être qu'il veut vous écouter, apparemment. Elle a été carrément boycottée du site. Bloqué depuis longtemps. Oh, oui, depuis longtemps, parce que je milite depuis longtemps. Bon, pour des négocie. Mais notamment depuis le. Alors oui, ça négocie là-bas. Malheureusement. Oui, c'est là-bas. Mais on n'a pas accès, malheureusement. Non, mais la droite n'a pas. Ouais. Donc négociation, les garanties, messieurs. Il nous faut des garanties. Si que j'en ai un petit peu. Alors oui, bon, pour vous faire le résumé, grosso modo, il y a une personne de BFM qui est descendue, qui discute avec deux représentants gilets jaunes là, du petit groupe qui est présent avec nous, qui revendiquent le référendum d'initiative citoyenne. Donc apparemment, on leur propose de reprendre leur numéro, de prendre le numéro de deux personnes pour qu'elles puissent revenir la semaine prochaine expliquer un petit peu leurs revendications. Mais bon, il y a discussion donc au sein du groupe. Pour savoir si leur parole vaut quelque chose et surtout si on doit laisser la parole la semaine prochaine à Étienne Chouard ou Monsieur Pasco. Voilà, Philippe Pasco, ça dépend des personnes qui maîtrisent le sujet du référendum d'initiative citoyenne. Philippe Pasco, qu'on a rencontré à deux reprises, on a fait deux interviews. Oui, alors en l'occurrence, il y a déjà eu des interviews de notre part, mais. On va essayer de capter Étienne Chouard. Donc effectivement, il n'y a plus de liberté. Merci pour les bravos. Merci pour votre soutien et pensez beaucoup à partager. Comme ça, il y aura des preuves de la négociation s'il ment. Alors, on a essayé d'avoir des preuves de la négociation, mais je crois qu'on ne peut pas trop approcher. Voilà. Donc, on ne va pas non plus faire des problèmes. Ah oui, on est en plein live. Et puis, voilà, au moins, on va voir comment BFM TV nous traite. C'est-à-dire que malheureusement, ils ne veulent pas trop écouter tout de suite. Ils ont dit que leur équipe était toute...
c'est possible. Oui, qu'elles étaient toutes sur le terrain. Oui. J'en doute. Excusez-moi de, bon, de douter de ça, oui. C'est un peu. C'est... Non, mais j'aurais préféré qu'on dise, écoutez, on ne sait pas qui on reçoit. Voilà, c'est compliqué de faire rentrer quelqu'un. Voilà, exactement. D'être clair. Clair. Et, écoutez, on ne sait pas qui on reçoit, on ne sait pas ce que vous allez dire. Enfin, voilà, tout un tas d'arguments. Mais bon, dire toutes nos équipes ne sont pas là, voilà. Après, ça fait que malheureusement. Là, les gens ne croient plus les médias, ne croient plus le président. Bah, quand ils nous disent qu'ils vont la semaine prochaine rappeler deux personnes, ça paraît. Il y a quelqu'un qui est sorti, je suppose qu'il a été chimique. Il est là. Il est là, ce monsieur, il est en train de discuter avec eux. Ah, mais je sais pas qui c'est, apparemment. Donc, c'est pas un journaliste, je le connais pas. Mais peut-être que c'est le négociateur BFM. Ah, ils ont des négociateurs BFM. Ça, alors, un vigile, je pense pas, parce que tous les vigiles sont derrière, devant la porte. Ils sont un peu en panique d'ailleurs. En panique, je pense pas, mais bon, ils sont là, c'est leur travail. Bon. Merci le 22. Ah bah alors pourquoi BFM est protégé par les CRS? Bah c'est tout simplement parce que ils veulent. Alors il faut savoir que oui, il y a le ministère des Armées qui est juste à côté, hein, qui est en face. Qu'on n'a pas le droit de filmer. Ouais. Pourquoi? Je sais pas. Non mais non. Non non, et puis je pense que voilà, ils s'attendaient à ce qu'il y ait un peu de visite. Alors même peut-être plus que deux personnes. Alors il peut pas nous donner de garantie écrite, il peut pas nous donner de d'autres garanties que sa propre parole. Bon, malheureusement ça vaut pas grand chose, on voilà. En est là. Non, bon. Mais, non, bon, mais écoutez, on en est là. On le filme. De toute manière, je vais vous dire une chose, excusez-moi. Allô, s'il vous plaît. Allô, excusez-moi. Écoutez, juste une chose. Bon, on est venu jusqu'ici, on sait, bon, on a notre avis sur BFM. Moi je rappelle juste une chose, on vient de la France Télévisions, ils nous ont envoyé quelqu'un pour parler avec nous, nous proposer quelque chose. Non, mais termine, vas-y. Mais déjà. En tout cas, France Télévisions nous envoyait personne, tu vois ce que je veux dire. Après, voilà, on a ce qu'on a. Les CRS, enfin, je veux dire, la police, elle a fait la médiation, ils ont envoyé quelqu'un. Merci à eux. Oui, bah, c'est ce qu'il a dit. Merci. Ouais. Mais on sait bien qu'ils ont tous un gilet jaune en dessous, on le sait. Je vous garantis qu'on passera sur l'émission, c'est pas laquelle. Dans la semaine, en direct, et ils veulent donner la parole. En tout cas, ils ont dit trois. Au départ, il a dit deux, après, il a dit même trois, quatre. Donc, il s'engage à appeler tout le monde, enfin, les trois, quatre personnes. Et moi, encore une fois, je veux dire, comme je propose que, voilà, on fasse passer nos gilets jaunes les plus connus pour que. Ce qui, ça serait énorme d'avoir Étienne qui passe à. Vous comprenez ce que tu dis. Moi, je donne en tout cas mon. C'est comme vous voulez, on décide tous ensemble. Moi, je suis pas un maître, je suis un médiateur, là, mais. Non, mais on est là, hey. En tout cas, il faut que ça se décide maintenant. Ouais. Pas là non plus. Merde, je suis dans l'eau. Mais en tout cas. En tout cas, si ça vous dit. Mais déjà, c'est une proposition, il nous propose quelque chose. Moi, je. Écoutez, je suis aussi méfiant que vous, mais je parle. Alors ça, il sait pas, mais dans la semaine, il s'engage dans la semaine, peut-être pas tout le temps les mêmes jours, mais il s'engage de recevoir, en tout cas, ceux qu'on aura, et il demande même les numéros de téléphone. C'est ça, malheureusement. Donc je rappelle, on est devant BFM, devant les locaux de BFM, et on négocie pour que des gens puissent être reçus cette semaine sur la chaîne, en direct. Étienne Chouard. Bah en fait c'est ça, je crois qu'il faut leur dire. Faut leur faire passer le message que bah on n'a pas trop le choix. Excusez-moi, qu'est-ce qu'on choisit tous ensemble? Étienne Chouard. Moi je suis pas votre maître. Étienne Chouard. La campagne, la question, on décide tous ensemble. Moi déjà qui est pour? Je pense que voilà. Qui est pour on met Étienne Chouard déjà. Qui est pour? Mais bon c'est comme c'est comme. Alors on est la majorité. Sylvain Baron. Ouais vas-y Sylvain Baron oui. Et Philippe Pasco. Philippe Pasco, ouais. Alors, est-ce que quelqu'un a le numéro de Sylvain Baron? Parce que moi, j'ai que celui d'Étienne et de Philippe. Voilà. Elle a le numéro. Comme ça, je leur donne le numéro. Il est d'accord, Ouais, apparemment, il est pas là, mais il est d'accord. Mais là, ils prennent le numéro de Marco, c'est ça? Non, le numéro de. On donne le numéro de Sylvain Baron. D'accord, c'est vraiment une chance inouïe. Vous imaginez, on arrive à faire passer Étienne à BFM. C'est énorme, vous imaginez. Si éventuellement on peut te suivre pour filmer la discussion qu'il va y avoir entre vous, ça nous intéresse, ça fera une parole garantie. D'accord, voilà. Ouais, c'est tout. Le problème, c'est pas. Viens donner ton numéro. Après, je vous suis au moment où je discute, mais voilà, ça fera au moins exact, on aura une preuve. Ça sera la preuve que BFM s'est engagé à recevoir
à recevoir donc les quatre personnalités en gilet jaune. Et donc là, ce qui se discute, c'est évidemment de faire passer, comme je disais tout à l'heure, des personnes qui ont un peu plus la capacité, on va dire, à expliquer voilà, les revendications, le RIC notamment, surtout. Voilà. Donc les trois personnalités, il y a Étienne Chouard, Philippe Pasco et Sylvain Baron. Sylvain Baron, exactement. Alors, je connais pas, mais... Alors c'est dommage qu'on n'ait pas été peut-être un peu plus, parce que si on avait été plus, on aurait peut-être pu exiger plus. C'est un peu dommage. On va revenir toutes les semaines, Alors apparemment, de toute façon... Monsieur, il a proposé de venir juste pour qu'on filme. Alors je vais filmer l'entretien. Oui, si ça... Bon, je vais filmer l'entretien et ça fera au moins... L'entretien, on va le voir quand, là ? Comment ? L'entretien, c'est en live. On est en live, nous. Non, non, mais là... La négociation... Non, l'entretien, c'est pour la semaine prochaine, voilà. Ouais, mais le problème, tout le monde peut venir la semaine prochaine, hein. Parce que moi, j'arrive de la chambre maritime. Bah oui, je sais bien, mais oui, c'est ce que je suis en train de dire. Mais là, le problème, voilà, c'est qu'il n'y a aucune garantie que ça se fasse. Bah oui. On aura une preuve. On verra, la semaine. Et c'est pour ça que je veux avoir le truc. Ouais, si ça vous arrive pas, je filme, c'est tout. Ouais. C'est bon, je peux y aller. Oui, parce que je sais pas, il m'a pas dit oui, il m'a pas dit non. D'accord. Merci. Il n'y a pas de route qui est. Elle est là, je suis sûr. Ah bah la route est au chaud. Nous on caille, mais la route elle est au chaud là. C'est pas la route, c'est ça. Route ne tient pas la route, ça c'est pas mal. Ça négocie. Alors ça négocie là-bas. Apparemment le. Excusez-moi, si jamais ils n'arrivent pas à les appeler, on peut toujours faire. On passe nous, si on arrive à passer à BFM, et en BFM en direct on dit invitez-les. C'est aussi, c'est une. Ah, je veux dire, oui, on essaie ça. De faire. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, ouais. On peut tout le temps trouver la solution, quoi. Regarde, ça y est, on a l'opportunité. Maintenant, on va pas la lutter. Ah oui, oui. Et c'est. Là, déjà, Sylvain, il est là, déjà, donc c'est bien. Moi, la question que je pose, c'est que oui, c'est quoi, je sais pas, ils discutent, donc. Ça y est, on a déjà fait. Ah oui. Ils se pèlent les couilles dehors. Attends, attends. Ils sont à cause de nous. Tu me dis, Marco. Il faudrait chauffer les cœurs, quand même. Par contre, ils veulent pas que ce soit filmé. Évidemment, donc pas de garantie. Non, mais c'est très bien. Pas de garantie, aucune garantie que ça se fasse. On veut filmer l'entretien pour qu'il y ait une garantie. C'est comme en politique, on blablate, on blablate et voilà. Aucune garantie. Méthodologie Macron. Merci d'appliquer la méthodologie Macron. Oh, mais c'est pas que Macron, c'est. Oui, la méthodologie politique, c'est vrai. D'ailleurs, on va pas le mettre plus que les autres. Donc évidemment ils ont refusé le fait que soit filmée la discussion pour s'engager à recevoir des personnes la semaine prochaine, enfin ou dans la semaine. Aucune garantie. Aucune garantie, ils ont refusé le fait de filmer. Ils ont refusé de filmer. Il va sortir avec une valise. Bah, je voulais juste filmer la discussion, ce qui aurait pu être mis en avant si ça se faisait pas, tu vois. Mais bon, c'est pas possible. On aurait pu cacher sa tête. Non, mais moi je souhaitais pas filmer sa tête, ouais, c'est ta discussion. Mais bon, apparemment, fuck BFM, il a mis. Oui, enfin, bon, on n'en est pas là. BFM TG. T'as pas vu ça? Si, si. Merde, t'as vu? T'as de la poudre. Ouais. Donc, discussion là-bas, là. Malheureusement. Ils vont tout faire pour discréditer les gilets jaunes. Je pense Pasco et Etienne. Sylvain Baron. Laetitia Dawel, je sais pas qui c'est. Je sais pas. À proposer, hein. De toute façon, là, bon, on a filmé, donc... Ouais, malheureusement. Tiens, ils sont en train de noter les numéros, je crois. Ils les ont même pas fait rentrer, hein. Putain, ils auraient pu les mettre au chaud, hein. Ouais, ils nous laissent dans le froid, là. Bah, même les mecs qui discutent, en fait. Enfin, ils ont pas une chambre forte, un truc sécurisé, bah, c'est pour négocier. Apparemment, c'est sécurisé. Altis, hein. Ils ont des moyens, hein. Ah, c'est vrai qu'ils caillent. Ça va, t'es mort? Bah, je vais changer. Tiens, filme un peu, très bonne idée. Merci.
donner un truc. C'est où il est le collègue là? Il est rentré? Non, non, il est pas rentré. Ah ouais, d'accord. Ils sont en train de noter les numéros là, comme vous pouvez le voir à droite. De façon artisanale. Mais bon, en tout cas, on a filmé, donc s'il monte, on le saura cette semaine. Donc. C'est dingue. Après, c'est aussi dire on est pris pour des cons, mais on est encore à la main tendue à dire. Ouais, on sait qu'ils font ça aussi pour calmer les gilets jaunes. Hein. Mais bon. Pas quelqu'un qui peut tenir ça? Si, c'est super. Ah merde, elle est là, la batterie. Je savais pas ce qu'il voulait avoir. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, putain. Ah ouais, pas attention. Bah, ton câble est plus long que le mien. Mais bien. C'est parce que j'en ai vu en luminosité minimum. Attends, je vais lire un petit peu les commentaires. Ouais, c'est quelle adresse ici? Franchement, je sais plus. Attends, je vais demander à Wilson. Parce qu'à chaque fois que je les écoute, je pense au contre-argument. J'écoute leur propagande et je sais ce que j'aurai à répondre. Donc, c'est comme si j'avais fait un entraînement. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, quand je les entends, j'ai là. Je sais quoi. Et juste je lis. Tu peux me rappeler l'adresse? Alors du 2 au 16 avenue Général de Boissieu, Alain de Boissieu. 2 au 16 2 au 16 avenue Général de Boissieu, dans BFM TV. Entre le ministère des Armées et France Télévisions. Ok, c'est noté. Merci. Le campus Altice. Campus Altice. C'est ça, si tu veux trouver sur Google. L'engagement exact de BFM. C'est-à-dire l'engagement exact. Il s'engage à quoi cette semaine? Il s'engage à désinformer déjà. Non, mais je veux dire vis-à-vis de oui, non, oui, déjà vis-à-vis de nous. Maintenant, la parole, on va dire l'engagement officieux, oui. C'est de nous, on leur donne deux numéros de téléphone, dont deux personnes vont venir sur leur plateau télé ou émission radio, je ne sais pas si c'est RMC, pour venir débattre justement dans des émissions, et on ne sait pas lesquelles. C'est ça la tractation actuelle et on a réussi donc à négocier deux numéros. Donc on va essayer de faire venir deux personnalités parce qu'on pense qu'il faut essayer de porter la voix quand même. Donc que ce soit des gens compétents qui ont vraiment un véritable message à transmettre, notamment sur le référendum d'initiative citoyenne et sur la refonte du système. Donc c'est pas la simple petite taxe. Voilà. Merci. Parce qu'en fait, il est resté avec ça. Ça, c'est le fait d'avoir les pieds dans l'eau. Bien évidemment, on leur fait pas confiance, mais on essaie de faire avec les moyens du bord. Là, on n'est pas tellement nombreux. Hein. Si on était, je sais pas, moi, 500 000 là déjà, ça serait plus, on pourrait plus s'imposer, je pense. Apparemment, ça va, c'est une prise, signature. Ouais, ouais, il n'y a pas de souci. Il fait 1 degré là. C'est dans la tête. De toute façon, il va pas en avoir. Une fois qu'il aura débattu, on rentre. On va rester à des heures. Négociation à droite, là.
Mais j'aurais quand même été présente parce que comme j'ai dit, j'ai quand même l'examen d'attaché de presse, ça aurait pu être utile. Est-ce que tu aurais dû? Là derrière, il y en a. Ah non, mais c'est bien de voir avec la rosée du matin dans les montagnes. Ouais, moi j'ai une fois. Ouais, 14 ans, tu veux être président? Ouais, mais j'ai lâché direct, hein, on m'a dit ça sert à rien. Bah Macron il est jeune, hein. Tente ta chance, tente ta chance. J'avoue. Ouais, faudrait que je devienne un enculé, excuse-moi, je pourrais pas. Faudrait que je trahisse eux tous. Déjà eux tous. Est-ce que ta femme a 60 ans? Est-ce que ta femme a 60 ans? Non. Ah, c'est mort. C'est foutu. J'ai foutu. J'ai pas les mêmes aspirations. Faut que tu mettes tes pions sur Altice et BFM. Ouais, voilà. Peut-être que tu pourras des petites actions et peut-être que ça va peut-être avancer. Ouais. Sinon un ministère, tu veux pas un ministère du sport? On peut faire le ministère populaire. Ça me fait penser à un ministère amer. Ouais. À l'époque, ça. Non, mais on aurait pu faire le ministère de l'initiative populaire. Voilà. Et tu mets quoi dedans? Tu mets quoi dedans? Son travail, c'est d'aller voir les gens pour dire ouais, qu'est-ce que vous en pensez. Moi je dis la semaine prochaine on revient à VFM. Ah, bah, par contre la semaine prochaine on veut qu'on soit des milliers les amis, hein, parce que c'est bien de commenter mais faut être là aussi. C'est vrai. C'est pas si je veux dire aller. Bah tous ceux qui sont d'Île-de-France venez, hein. Il y en a un qui est venu d'où tout à l'heure, il a payé 70 euros. Il a fait 700 bornes, il a fait Charente-Maritime, je sais pas. Charente-Maritime, ouais, 700 bornes, il est venu avec nous. Motivé. Il est là, on fait le transport. Ouais, il est toujours là là-bas. C'est un ancien, c'est ça le pire. Un vieux monsieur. Moi j'ai vu un jeune aussi. Ouais, mais bon, le jeune c'est bien. Non, mais même ce matin, là, j'en ai vu des mecs de 70 piges, 65 ans, 70 piges venir. Tu sais qui ça, que non. Ouais, bah ouais, ils sont dégoûtés. 70 piges, gros. Est-ce qu'ils ont annulé de retraite, ça leur revient dans le système. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, mais Zinda, c'est pas ça, je vais sur le mode. Ouais, non, c'est juste un truc, hein. C'est sûr. Homme de ménage. Aïe aïe aïe, il est passé. Ouais, j'ai un peu de mal, c'est vrai que ça commence. Je crois que la discussion s'éternise. Là on est oublié là-bas. Mais... C'est la prime d'activité BFM. Ou alors ils attendent la réponse que je l'ai dit, c'est pas. Ah, ils sont en train d'appeler en direct, tu penses? T'appeler? Non. Je pas. Il va prendre une réponse. Ah, là, faudrait bouger, là. Ah, bah moi, j'ai... Bouger, bouger. Il négocie avec BHL. Je fumais ton dos, excuse-moi. Merci, hein. Parfait. Pourquoi ils prennent du temps comme ça? Excuse-moi. Allez, je vais lire un peu vos commentaires. On attend les négociations, là. Ils sont en train de passer les numéros de personnalité gilets jaunes pour les accueillir cette semaine. On va voir s'ils tiennent leur parole. Là, on n'est pas des milliers. Donc, pour faire pression, c'est un peu compliqué. Mais déjà, si on arrive à faire passer des personnalités qui vont parler du RIC, c'est déjà un peu intéressant. Faut faire ça partout. Tous les médias, faut essayer de mettre la pression. C'est quelle chaîne? Sur la tribune des pirates. Ah oui, ok, c'est
Vous connaissez ? Ouais, j'en ai entendu parler. Ah bah cool. Ça circule aussi bien. Il y a du, il y a pas mal de monde là en direct. Ah, c'est cool. Ouais, depuis tout à l'heure, France TV, on est arrivé chez BFM, on a fait un deuxième live. Merci d'être là. Ah, merci à vous, hein. Merci à tout le monde. On espère qu'il y aura... Bon, on va essayer de continuer à faire pression sur les médias. Hein. Parce que celui qui tient les médias, il tient un peu le pouvoir. Hein. C'est ça. Il arrive à manipuler un peu les gens. La compliqué. Peau du milliardaire, hein, toujours heureux. Hein. Quand t'as du pognon, ouais, tu fais ce que tu veux. Hein. Ah, et le problème, c'est qu'il... J'ai même mis une vidéo sur la page où t'avais un pseudo casseur qui disait ouais, moi je viens de la banlieue, je vais casser et tout. C'était un, ça voyait que c'était un faux. Donc ils n'hésitent pas à, eux-mêmes à faire des fake news. Donc ça c'est intolérable. C'est grave de jouer avec la tension des gens, les gens qui souffrent, il y a des gens qui crèvent et tout. Nous on leur demande simplement de faire leur boulot, hein. Simplement de montrer la réalité, de vérifier leurs sources, de pas donner la parole non plus au premier mec qui vient se présenter à eux. Quoi. C'est ça. Alors là tu remarques que la petite dame qui est descendue, ouais. Que les discussions sont vives, et je comprends pas quelle discussion il y a à avoir pour donner un numéro de téléphone. De quoi ils discutent? Putain, j'ai envie d'y aller. Ouais, mais le problème, c'est que moi, j'ai pas envie qu'ils mettent la main dessus et après ils gueulent et après ça prend le bordel et tout ça. Parce qu'apparemment, ils ne voulaient pas. Bah, demande à Wilson, là, pour qu'il nous donne un petit. Pourquoi ça traîne comme ça? Tu fais juste la pause, c'est ça? Ouais, voilà. Pourquoi ça traîne, là? Attends, excuse-moi, vas-y, parce que. Pourquoi ça traîne, là? Je sais pas. Je crois que je vais aller voir ce qui se passe parce que. Des tractations chez lui, là. Bon, il leur a enfilé 100 euros, c'est ça? Ça va les calmer! Non, mais non, mais honnêtement, on a une opportunité, vraiment. Ça rame ou c'est quoi le... Ouais, je sais pas. Bon, peut-être que ça discute, que ça... Il y a une opportunité, parce que si on met la quenelle de la présence d'Étienne Chouard là-dedans, bon, ça m'étonnerait. Ouais, mais s'il passe qu'une fois, ça aura pas trop d'impact. La quenelle. Oui, non, mais attends. Ouais, mais bon, moi, ce que je veux, c'est qu'on soit... Je veux qu'on soit des milliers la prochaine fois. Rentre dedans. Ouais, mais t'as bien vu, hein, l'approche des fêtes, Noël, jour de l'an, le froid, la pluie, les gens ils sont bien là devant le petit fou. Ils font des jeux droits, les gars, sous la pluie, sous la neige, je sais pas ce que c'est que cette histoire. Les misérables. On souffre pour vous, j'ai envie de dire. Mais c'est pas magnifique d'être devant BFM. Oui, oui, ah non, mais c'est. Tout le monde avait envie. Je pense que même, je sais même pas pourquoi on pointe devant France 9. Moi, je suis étonné que. Je suis étonné que les vitres soient en bon état encore. Vu toutes les conneries qu'ils racontent. Je sais pas de quoi tu parles. Ouais, moi non plus, hein, d'ailleurs. Parce que nous, à titre personnel, nous sommes un média qui condamne catégoriquement la violence. Magnifique. Quelle qu'elle soit, attention, hein, quelle que soit la direction. Pirate des bacs à sable. Tout à fait. On a déposé notre bandeau, notre poignard, tout ça. Attention, nous, on est des gens bien. Tu sais, t'es un homme de la liberté d'expression ici. Il trahit, c'est vraiment un homme bien. Ouais, c'est vrai. C'est un bon gars. C'est un bon gars qu'on ne peut pas croiser beaucoup. Tu me disais, il a quatre nationalités. Quatre nationalités, portugaise, marocaine, israélienne. Ça lui sert à quoi tout ça? La communauté organisée et il est suisse. Ouais. Et il est fiscalisé en Suisse. Qu'est-ce qu'il fait en Israël, lui? Ça, il faut demander à l'unité suprême. Bon, attends, il y a une petite réponse. Retour. Tiens. Non, non, vas-y. Je veux voir si pas vous faire passer soit assez rapidement. Donc, ils sont en train de discuter là-haut. Apparemment, ils étaient assez satisfaits de la façon dont je m'exprimais. Ils voyaient bien que je maîtrisais. Donc, attendez, on va peut-être se reculer. On va se reculer. Reculez-vous. Les policiers ont le droit d'être en sécurité quand même. Vous sécurisez la police, s'il vous plaît. On est en train de voir, on a donné le numéro de d'Étienne, de Philippe, de Pasco, de son numéro. Ça. Et là, on va voir ce qui va se passer. Là, ils nous ont reproposé de. Ah, peut-être c'est pas le directeur. Ils nous ont pas proposé un café à l'intérieur, non, ça... Est-ce qu'on aurait le droit de se mettre juste là pour être abrité? Est-ce qu'ils seraient d'accord? Parce qu'on a vraiment. Là, au moins. En tout cas, dans tous les cas. Ils veulent ils sont nous... ouverts, ils ont l'air d'être ouverts. Alors, ils veulent juste savoir que les personnes qui vont venir, quels sont globalement les sujets qu'ils traitent, peut-être le reconnaître. Ah oui, forcément. Là. Vous avez passé quand? Et l'idée, c'est aussi de voir comment ils s'expriment et tout ça.
Et nous, on a dit, voilà, Sylvain, il a donné son sujet. Moi, j'ai donné le mien, qui était celui du RIC. Enfin, oui, voilà. Il faut vraiment qu'on reste groupés sur le sujet. N'oubliez pas qu'il faut vraiment qu'on dise tous la même chose. Oui, bien sûr. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est le RIC et la démission de Macron. Alors, c'est ça qu'il faut le dire. Après, ils ont posé la question. Non, d'abord, ils démissionnent. Par le RIC, on peut faire démissionner. Et là, du coup, ils ont essayé de revenir parce qu'il y a un instant. Ça, j'ai pas démissionné. Non, mais tu comptes qu'ils vont mourir. Alors visiblement ils vont essayer de passer en direct aujourd'hui là. Ils sont en train de voir un peu leur discours, s'ils peuvent leur faire confiance, s'ils s'expriment correctement, et puis on va essayer de passer aujourd'hui. C'était tant que ça, hein. C'est piégeur professionnel. Hein. Ouais. Ils vont te dire, bah non, ils vont repartir sur le tout. Ça va la pluie? C'est difficile ça. Non, je suis pas d'accord. C'est une pluie tardive. Ah bah reste là, t'es parfait. Voilà. Ça sort directement sur place. Ouais, la tribune des pirates. Ouais. Fait un petit live depuis tout à l'heure France TV. Je suis d'accord. Par contre là j'ai froid, j'en peux plus. Bah, un policier qui serait d'accord avec le mouvement mais qui doit travailler, ce sera Tu veux que je te filme? Un policier. C'est déjà fait. Non mais. Bonjour tout le monde. Petit message à transmettre ou quoi? Se peler les couilles. Au nom du drapeau. T'es là pour le RIC? Le RIC et pas spécialement le RIC. Non, le RIC honnêtement, je pense pas que. C'est une bonne chose. C'est une chose que les citoyens doivent réclamer, clairement. Je pense pas que ça puisse être mis en place avec les institutions telles qu'elles sont aujourd'hui. Moi, pour moi, tu milites pour une 6ème République ? Bah, 6ème République, pourquoi pas une 7ème, pourquoi pas une 8ème ? Est-ce qu'on fait ? Je sais pas ce que c'est, vrai. C'est une vrai. Nouvelle, quoi. Peut-être, pour mettre les choses à plat, ce serait une bonne chose, mais je pense que la première chose à faire, déjà, c'est de sortir de l'Union Européenne. Clairement, parce que c'est ça qui nous. Par exemple, un truc tout bête, mais la loi de 73, on en parle beaucoup là, en ce moment. On a vu pas mal de vidéos là-dessus, des gens intervenir là-dessus, en disant que voilà, c'est pas normal, c'est pas légitime que la France soit obligée de s'endetter sur les marchés publics, au lieu de se financer à taux zéro sur la Banque de France. Très bien. Donc il y a eu effectivement une loi en 73. Là, jusqu'à Rothschild, très bien. Mais après, derrière ça, après, avec l'adoption du traité de Lisbonne, il y a l'article 123 du TFUE, du traité de fonctionnement de l'Union Européenne, qui impose à tous les États membres de se financer justement sur les marchés privés. Donc, quand bien même on voudrait annuler la loi de 73, on ne pourrait pas, du fait de notre appartenance à l'Union Européenne. T'es pour le Frexit? Bah, je suis pour le Frexit. Pourquoi? Parce qu'en fait, je crois à la liberté, je crois à la République, je crois à la démocratie, et je crois en fait au pouvoir au peuple. Et à partir du moment où tu sais comment fonctionnent les institutions européennes, tu te rends compte qu'en fait, elle n'est pas du tout démocratique, absolument pas. Déjà pour une raison simple, c'est qu'il n'y a aucune séparation des pouvoirs dans les institutions européennes. La Commission européenne, par exemple, a le pouvoir à la fois judiciaire, exécutif et législatif. Qui nomme cette commission? Ah bah, il les nomme. Effectivement, c'est ça le problème, c'est pas les gens qui sont nommés. Mm-hmm. C'est pas des gens qui sont élus. Ne serait-ce que, je prends n'importe quel Français dans la rue, tu leur demandes le nom d'un commissaire européen, au job. Personne ne le connaît, personne ne le voit. Je connais Juncker. Non, alors lui, c'est le président. C'est le président. C'est le président. Je sais pas si t'as vu, là, mais... Jean-Claude Drinker. Drinker. Il a une initiative du foie, je crois, quelque chose comme ça. Donc pour les élections, tu vas voter contre pour les élections, l'Union européenne. À titre personnel, voilà, moi je vote pour le PR. D'accord. L'Union populaire républicaine. Parti de François Asselineau, moi je vote pour eux, je suis adhérent depuis 2013. Et voilà, c'est la ligne que je défends. Vous avez connu Eric? C'est un parti, on va dire, de Rassemblement National, le but du jeu étant de sortir de l'Union Européenne, de façon à retrouver notre souveraineté,
et de façon après à ce que ce soit véritablement le peuple qui puisse élire ses dirigeants et avoir la politique qu'il veut avoir en France. Alors ici, ce n'est pas le cas. Et ils vont te répondre économiquement, c'est dangereux, patati patata. Économiquement, c'est dangereux, mais économiquement, ce qui est dangereux, c'est de rester dans l'Union européenne, c'est de rester dans l'euro. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas avoir une seule monnaie unique, tous les économistes le savent, c'est bien qu'ils ne le disent pas, malheureusement. On ne peut pas avoir une monnaie unique, ou une monnaie commune, précisément, pour des pays qui ont des économies différentes. Tu penses que l'euro, ça a été une faillite pour la France ? Ah ben c'est une faillite, mais pour la France, même pour l'Italie, pour nombre de pays européens, exactement, l'Italie en premier lieu, quoi, la Grèce. Et demain, si la France sort de l'Europe, alors, qu'est-ce qui se passe ? Bah déjà, on revient au franc, on récupère notre monnaie, donc on récupère notre pouvoir monétaire et notre pouvoir décisionnaire sur la monnaie, et donc du coup, on va pouvoir influencer notre monnaie, la calquer sur notre économie. Et donc c'est comme ça qu'on retrouve de la compétitivité. Pour sortir de l'Europe, il faut qu'Asselineau soit élu. Lui ou un autre qui aurait les mêmes idées. Dans l'absolu, je ne suis pas attaché à la personne. Tu sais que c'est... Ça serait très compliqué. Ah, ce serait compliqué, effectivement, de faire comprendre tout ça aux Français. Ça, c'est sûr, aujourd'hui, c'est compliqué. As-tu des solutions intermédiaires pour arriver à ce but ? Des solutions intermédiaires ? Provisoires, là, par exemple, qu'est-ce qu'on... ce genre de choses ? Bah là, on parlait du RIC. Quels sont des... Parce que le Frexit, comme je te disais, c'est un peu compliqué. Si personne n'est élu, ils vont pas le faire. Effectivement, ça peut être compliqué, ouais, dans le sens où faut qu'il y ait vraiment une volonté du peuple. Je voudrais un référendum justement sur l'appartenance à l'Union européenne. Mais un référendum ou alors une élection, si c'est l'élection présidentielle, effectivement, quand il est élu, derrière, il n'a pas besoin de référendum, puisque c'est marqué dans son programme, il est dit, il n'a jamais caché qu'il voulait sortir de l'Union européenne à partir du moment où il est au pouvoir. Il n'y a pas besoin de refaire un référendum derrière pour confirmer est-ce que les Français sont d'accord que j'applique le programme pour lequel j'ai été élu, quoi. Ça n'aurait aucun sens. Donc à l'heure actuelle, oui, effectivement, si jamais Macron décide, selon que je doute, de faire un référendum sur la sortie ou non de l'Union européenne, oui, à la rigueur, pourquoi pas, je veux dire, voilà. Donc le RIC, c'est la première étape. Ah oui, c'est la première étape. Mais le RIC, peut-être, mais clairement, je pense pas que ce soit... Pour toi, c'est pas la seule chose. On y arrive comme ça, que Macron accepte le RIC et qu'ensuite il fasse un RIC sur... Moi, je te donne mon avis, il acceptera jamais. Voilà. Parce que sinon, il fout en l'air son pouvoir. Je suis d'accord. Donc, comment faire ? Faut faire pression ? Faut casser ? Faut faire quoi ? Faut le décider. Il y a des moyens légaux de virer Macron. C'est-à-dire ? Il peut crier Macron démission, etc. Mais la démission, il la donnera jamais. Excuse-moi. Je ne sais pas s'il y a de la lumière, vous me dites en commentaire. Parce que c'est compliqué, là. Sa démission, il la donnera jamais. Je vais donner un exemple tout bête. Charles de Gaulle, quand il est passé à 49% de l'opinion politique, il a dit, bon ben voilà, symboliquement, il y a moins de 1 Français sur 2 qui est d'accord avec ma politique, je démissionne, je pars, parce que ma politique est plus en adéquation avec ce que veut le peuple français. Et là-dessus, De Gaulle, on peut penser ce qu'on veut de lui, hein, mais là-dessus, je pense que c'était un geste tout à fait honorable, parce qu'il a été vraiment démocrate jusqu'au bout. Quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça ne suit plus la volonté du peuple, il part. Macron, lui, ça compte encore, alors qu'il a 11% de positive. C'est un vrai problème, là. Je veux dire, c'est quelqu'un qui s'accroche au pouvoir alors qu'il est totalement illégitime. Certes, il a été élu, mais aujourd'hui, les gens ne veulent plus de lui, quoi. Donc il faut qu'il parte, il faut qu'il dégage. En même temps, il a été élu, il faut qu'on regarde aussi dans quelles conditions exactement. Là, il y a 20% des gens qui l'ont élu. Voilà, exactement. Sur un panel de personnes déjà qui est réduit vu qu'il y a beaucoup d'abstention. Exactement. Ce que dit Pasco, il y a peut-être, je sais pas, 10% des gens qui votent pour Macron, quoi. Donc c'est sa légitimité est discutable. Ouais. Bah, je te remercie. C'est peut-être les mêmes 10% aujourd'hui qui approuvent sa politique, hein, mais. Bon voilà, en grande majorité, les gens ne veulent pas de lui, c'est pour ça qu'il y a autant de gens aujourd'hui dans les rues, c'est pour ça que... Penses-tu qu'il pourra réformer les retraites et ainsi de suite ? Ou est-ce que son mandat est mort ? Ah ben il sera obligé de le faire de toute façon, parce que ça c'est demandé dans ce qu'on appelle les GOP, les grandes orientations politiques, économiques, dictées donc justement par la... Il fera tout pour faire passer tout ça, ouais. Eh ben il le fait parce que c'est son boulot, je veux dire, lui, voilà, en tant que président de la France, il est... le directeur, on va dire, d'une vassalité de l'Union européenne. Voilà, c'est tout ce qu'il est, quoi. Aujourd'hui, la France, malheureusement, le drapeau tricolore, ça n'existe plus beaucoup au niveau institutionnel. Genre. Et c'est bien dramatique, d'ailleurs, sur toutes les institutions françaises, les mairies, les choses comme ça. On voit toujours le drapeau français tricolore qui est là, on va dire, pour faire joli, mais à côté, t'as le drapeau de l'Union européenne. On les a même vus sur les blindés la semaine dernière. Et sur les blindés aussi, alors ça c'était magnifique, hein, de voir les blindés. Les blindés Hermès et Chicken. Dans Paris, quoi. C'était quelque chose aussi. Ouais, je te remercie, je pense que ton message a été transmis. Ouais, et puis voilà. Bon courage. Merci. Je pense que je vais couper parce que là, ça avance pas. Bon, les amis, je vais vous laisser. On va couper et puis on vous tiendra au courant s'il y a
des avancées au niveau des négociations avec BFM là, si les gens vont passer en direct ou pas. On se tient au courant et puis ben, à très bientôt, prenez soin de vous.